Je ne suis pas défavorable au vote obligatoire, avec aussi la possibilité de révoquer les élus, le droit de révoquer les élus, qu'il y ait des droits nouveaux pour les citoyens. Et je ne serais pas choqué qu'il y ait ça. Mais le droit du vote obligatoire avec prise en compte du vote blanc. C'est important. Parce que les citoyens doivent aussi pouvoir, éventuellement, s'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, voter blanc et qu'on tienne compte du vote blanc. Le vote blanc, ça veut dire quoi? Si, par exemple, on pouvait fixer après un seuil de représentativité minimum, et si un nombre trop important, fixé par la loi, 30%, etc., on refait l'élection, parce que ça exprimerait un désaveu. Donc, c'est aussi pour ça que ce n'est pas reconnu. C'est parce qu'on risquerait de rejouer souvent les élections. Oui, mais il faut trouver, il faut pas banaliser ça. Votre chroniqueur a raison de dire une chose. Moi, je suis élu, a priori, confortablement au deuxième tour, je fais 58% des voix. Mais en vérité, par rapport au nombre d'électeurs qui sont exprimés, je fais 21% des électeurs inscrits. 80% des gens n'ont pas voté pour moi. Ce qui était un petit peu le cas d'Emmanuel Macron. Ce qui est le cas de tout le monde. Voilà, je le dis parce que souvent au début, je le disais des fois de M. Macron, on disait, attention, ne perdons pas de vue, ne laissons pas dans l'angle mort la question de l'abstention. Et vous avez raison de dire notamment des jeunes, mais pas seulement. Sociologiquement, très ciblé. Dans les quartiers populaires, on s'abstient. Donc, il faut redonner le goût de l'action civique, notamment avec une nouvelle constitution, de nouvelles institutions, des droits nouveaux pour les citoyens. Alors, vous, c'est ça la 6ème République.